Oh. C'est sympatoche ici. Vas-y, tu sais quoi, on va cuisiner un petit peu. Je vais cuisiner surtout de la gousse enduro. Vas-y, vas-y, vas-y. Très important l'endurance, avec des champions enduro. Excellent. Excellent, excellent. Go de la gousse enduro, c'est important. Hop. Voilà. Ouais, coucou Lynn, comment vas-tu? Ça avance, ça a beaucoup avancé aujourd'hui. Ouais. Ça a bien avancé. Le BG, les lunettes. Eh oui, ben oui, t'étais pas encore revenu depuis que je les ai. Regarde, vas-y. Je te... J'avais pas vu. Je te montre de près ce que ça donne. Ouais, coucou. C'est moi. J'espère que tu vas très bien. T'es de toute beauté. Non, mais on me dit, hein, et même dans mon entourage, on me dit que ça me va très très bien. Donc, bah écoute, je le prends bien. Voilà. En tout cas, sinon, Lynn, pour te raconter, j'ai bien, 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 bien avancé. J'ai exploré des grottes, j'ai marqué des sanctuaires, des grottes. J'ai résolu la vague de froid qui concernait les piafs. J'ai fait quelques petits trucs comme tu vois, pas mal de sanctuaires. Les profondeurs, ça donne ça. Et le ciel, ça donne ça. Voilà, je te montre très vite fait, hein, parce que sinon, je veux pas trop t'en montrer. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais ça te va super bien, vraiment. Genre, il te fallait les lunettes. Bah, je te remercie, écoute. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Je peux pas te dire mieux. Oh, elle est en mode comme ça, Lynn. Alors, ah oui, vous aviez des quêtes du coup. Oh, j'espérais justement que tu viennes. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Tu coupes vers quelle heure le live? Je dois repartir, mais j'aimerais revenir. Vers à peu près 22h30, Lynn. Donc voilà. De toute façon, je fais tout le temps du 15h-22h à peu près tous les jours. Plus ou moins quand je fais du Zelda. Même si du coup j'en fais tout le temps quoi. Ça marche, tu fais au mieux, Linchana, t'inquiète. Profite aussi. Vu juste avant de partir, t'en es où dans le jeu, toi? Je sais pas si t'es encore parti. Si elle s'est envolée. Elle a un piaf. Ah bah au piaf justement. Oh bah. Mais ok, eh bah vas-y, envole-toi vers les piafs, Linchana. C'est beau ce que je dis. Il paraît que c'est toi qui as sauvé notre prof adoré. On te doit une fière chandelle, mon pote. Bah oui, je t'ai sauvé. C'est un vrai soulagement d'avoir de nouveau Selmy à nos côtés. Merci mille fois pour ton aide. Et profite, hein, surtout, du jeu. Si tu m'avais pas sorti de cette grotte, je sais pas ce que je serais devenu. C'est un super spot de glisse, pourtant, mais je crois que je vais pas y retourner de sitôt. Tiens. Laisse-moi te donner ça en guise de remerciement. Ah, on dirait tu peux pas porter plus de boucliers. Ah merde! Elle en a un rare pour moi. Ah bah il va se briser lui. Hop, je vais l'enlever. Bah vas-y. Oh! On n'avait jamais eu un bouclier à 26. Incroyable. Il permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts sonos qu'on y attache. Ah ouais! Excellent! Ah, et du coup, on va pouvoir faire de la glisse sur bouclier? Oh!
T'as envie de glisser? Bah ouais. D'ailleurs, est-ce que j'ai ça en photo, moi? Oui. Ok. T'attends qu'une chose, c'est que je vienne te voir glisser sur bouclier. Ma foi pour toi, je suis prête à ce qu'on s'y mette tout de suite. Je demande une participation pour tout entraînement avec moi. Mais si tu fais tes preuves, je t'offre une récompense. Oh! Eh ben vas-y, hein, on va faire notre petite glisse sur bouclier. Au point de départ. Ok. Alors, est-ce que j'ai le bon bouclier d'équiper déjà? On est au point de départ, mais dis-moi, tu veux peut-être que je t'explique les règles avant de commencer? Ouais, vas-y. Explique-moi tout. Y a rien de bien sorcier. Il suffit de glisser le plus vite possible jusqu'à l'arrivée. C'est ce qu'on appelle une course contre la montre, quoi. J'imagine que tu sais comment on glisse sur un bouclier. Tu sors ton bouclier, tu sautes et zou, tu montes dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux descendre du bouclier en cours de route. Et t'as aussi le droit de planer dans les airs si ça t'arrange. En fait, c'est assez flexible. Moi, tant que t'atteins l'arrivée, je suis pas regardante. Bon, on dirait que tu vas enfin pouvoir me montrer ce que tu sais faire. Pour commencer, je voudrais que tu tentes le parcours débutant. Tu le trouveras peut-être trop facile, mais il faut que je vois si tu maîtrises les fondamentaux. Difficile de voir dans la neige, mais... En bas de cette piste, il y a un grand pont qui fait office de ligne d'arrivée. Ah ouais, je le vois. Réussi à passer en dessous en glissant et s'est plié. Finn et Russell sont postés sur la piste, dirige-toi vers eux et tu y arriveras au bout de sans te perdre. Ok. Simple et direct, mais il ne faut pas la sous-estimer pour autant. Et attention, il y a un certain nombre d'obstacles sur le chemin, des trucs qui sont tombés du ciel. Ah oui. À toi de voir si tu préfères les éviter ou au contraire essayer d'en tirer parti. Si t'arrives à boucler le parcours débutant en moins de 50 secondes, je te ferai passer au niveau supérieur. En piste, mets-toi en position. Ok. Eh ben c'est parti. Ok. Oui, je vais vous impressionner. Bah attends, déjà ? Oh, il fait beau. Ah, mais je croyais que c'était bon. Ah non, c'est là-bas en fait. Oula, je sais pas si on va y arriver, hein. Attends, ça va être chaud. 42, 43, 44, 45, 46. C'était pas si facile que ça, hein. J'en ai pour une seconde, vas-y. T'as fait un chrono de 46 secondes. Je savais bien que je m'étais pas trompé, ouais. Ah, le parcours expert. T'as gagné ton ticket pour le parcours expert, t'es un glisseur, tout ce qu'il y a de plus de respectable. Ça c'est de la glisse, va falloir qu'on s'accroche si on veut rester à la hauteur. Tout va bien, tu veux que je te regarde glisser encore une fois? Bah vas-y. Aïe aïe aïe, le parcours expert. Un bouclier souvenir à ceux qui arrivent au bout. D'accord. Seulement il y a un tel fratas dans ta sacoche que t'arriveras pas à y faire entrer un nouveau bouclier. Et si tu peux pas le porter, ça sert à rien que je te le... Ah oui, ok. Ah merde, ouais, non mais d'accord, ok. Oui. Bah je vais virer ça. Voilà. Elle va me donner... Imaginez, elle me donne le bouclier Ilia. Ça n'a aucun sens, ça, tu sais. Ah oui, mais attends. Je me demande si je mets pas un bouclier plus puissant, est-ce que je vais mieux glisser? Expert. C'est parti. Oui, j'ai les 20 rubis. Bon, j'espère que ça va le faire. Là, le parcours risque d'être plus long, hein. Ouais, vérifions ensemble jusqu'où tu dois aller. Tout d'abord, tu te souviens du grand pont qui fait office de ligne d'arrivée pour le parcours débutant? Ouais. Tu dois passer en dessous puis continuer tout droit. Ensuite, une fois que tu es
Arrivé au bout de la ligne droite, hop, tu opères une gracieuse courbe vers la gauche. Oula, j'ai un peu du mal à voir. Mais d'accord, après ça c'est simple, tu continues toujours tout droit. Finn et Russell sont postés sur la piste, dirige-toi vers eux et tu arriveras au bout sans te perdre. Il y a un sacré chemin à parcourir, mais tu peux passer par où tu veux. Tout ce qui compte, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Tu peux planer dans les airs, glisser sur autre chose qu'un bouclier. Tant que tu fais un bon chrono, je ne me plaindrai pas. Sur autre chose. Attention quand même, bien que je sois mal placé pour le dire, moi qui me suis retrouvé piégé dans une grotte, fais gaffe de ne pas te mettre en danger en cherchant de nouveaux passages. Tu me promets de faire attention? Yeah. En piste, mets-toi en position. Ok. Ok, bon. Ah mais attends, mais j'ai même pas lu en combien de temps il fallait y aller. Oui, impressionne-nous, oui, t'inquiète, bien se passer. Ok, bon, on va passer par là. Merde, je voulais pas faire ça. Je me suis trompé. Je voulais pas faire ça en fait. Donc là, on en est à peu près aux 46 secondes. Et là, courbe vers la gauche. Ouais, enfin, j'en suis pas trop sûr, mais bon. On a peut-être pris un raccourci ici. Oula, oula, où on va là? Je sais pas où on va, hein. Je sais pas où on va. Ok, il y a ceci là. Je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être par là, hein. C'est toujours par là, je pense. J'espère. Ah, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là la ligne d'arrivée, on est d'accord? Bon. Ma foi. J'en ai pour une seconde. Et du coup, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Une 42-26, j'y crois pas, t'as fait un meilleur chrono que moi. Ah bah oui. Le record de Selmy, honnêtement, j'en perds mes mots. T'es vraiment un as, mon gars. Un chrono pareil, ça s'improvise pas. Bon, je fais ça toute ma vie, hein. Tiens, j'aurais encore un conseil à te donner. Tu vois, trouve Russell pendant tes descentes un peu en contrebas de cette pente. Et ben, si tu prends à gauche avant ça et que tu descends vers la vallée, t'arriveras à la grotte où je me suis coincé. Ah oui, mais d'accord, ok. Mon intuition de glisseuse me dit que si tu réussis à traverser cette grotte... En fait, non, oublie ça. Pas raisonnablement de te conseiller de glisser dans un endroit où j'ai failli me laisser ma peau. Mais c'est pas là où il y avait les cascades, attends. Passons à la suite, tiens, j'ai un bouclier pour toi. Continue à t'entraîner sans prendre de risques inconsidérés. Oh, 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 oh. Très bien. Allez, je passe mon tour cette fois-ci. Passe mon tour. Ok, donc... Il y aurait une grotte en glissant. Oh. En glissant. Genre. Après. Ah, peut-être qu'elle parle de... Je pense qu'elle parle de cette grotte. Je pense qu'elle parle de cette grotte, je dirais. C'est peut-être pas impossible. Ok, eh ben écoutez, nous voilà sortis d'ici. C'est très bien. Je suis content d'avoir fait ça. C'était pas obligatoire, mais on l'a fait. Ma foi, c'est bien. Donc, bah, il y a encore un... Ah, mais c'est peut-être... Peut-être elle parle de cette grotte, attendez. Il y a un sanctuaire ici, on va y aller. Vas-y, on va y aller. Go. Oh, il y a un rocher ici. Il y a un rocher ici.
Pourquoi il y a ça là? Merde, je voulais pas faire ça comme ça, mais bon. Mais pourquoi pas? Attends, what? Oula! Oh! Oh! Oh, c'est beau! Oh, c'est tellement beau! Grotte du nord-ouest des bras! Oh, je m'attendais tellement pas à ça! Il y a tellement de grottes. Oh! Il y a tellement de grottes ici, mais c'est incroyable! Non! Il s'est enfui! Ok. Ma foi, très bien. On va remettre la tenue. La tenue des piafs. Faudrait que j'améliore ça du coup aussi. Très très bien. On est où là? Waouh. Waouh. Non mais juste waouh quoi. Juste waouh. J'ai que ça qu'à dire hein. Mais la glace ici, on est d'accord. Je peux rien faire, ok. C'est du décor hein, c'est du décor. Waouh, on pourrait attacher ça. Oh, attendez. Attendez. On va se faire une folie. Ah merde. J'aurais peut-être pas dû attacher le stalactite au bouclier. Par contre, il y a des choses à voir ici hein. Vous avez vu ça? Oh, une petite fleur bombe. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez pas? Moi, je sais. Ça veut dire... ceci! Hop! Voilà. Ah, par contre, on subit des dégâts. Hein. Ils sont pas morts, par contre. Bah, c'est pas grave. Eh non, t'allais pas m'avoir. On va reprendre le bâton ressort, tiens. Alors toi. Papa. Oh non, mais d'accord, il s'est même pas visé en fait. Ok. Hop. Très très bien, on va reprendre ça. Nice. De l'ambre brut. Plein de trucs. Et regardez surtout ce qu'on va faire. Oh, une truffe max, bien ça. Oh, what? Attendez. Il y a une pierre. Mais ça me rappelle quelque chose. Ah, c'est une pierre qui mène vers un sanctuaire, je crois. Oh, attendez. Est-ce que j'ai pas une quête liée à ça? Je sais plus. Quête secondaire. Non, hein, pas du tout. D'accord, ok. Et ce qu'on va faire, c'est ceci. En plus, ça fond. Et bien, c'est que ça fond petit à petit. Donc, c'est parfait. On va reprendre ça. Hop. Ok, et, oh, c'était pour un coffre, excellent. Et là-dedans, nous avons... oh, planeur. Ah, bah attends, il faut peut-être utiliser un planeur ici pour récupérer. Ok, on va refaire la même. Ah, il a pas fondu à fond, hein. Ok, c'est bon. Récupère tout ce que j'ai pas pu récupérer. Hop. Ah mais du coup il y avait rien. Ah mais attends, il y avait rien du coup. Ok. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ce qu'on va faire nous du coup, c'est, vous l'avez peut-être compris, c'est ceci. Gelé chouchou blanc. Hop. On fait ceci.
Comme ça, on peut récupérer la pierre. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Mais du coup, à voir où il faut amener la pierre. En fait, là, j'ai peut-être fait... J'ai peut-être lancé une quête sans le vouloir. Ah, mais d'accord, ok. Ok, ça fait office de sanctuaire. Waouh, mais d'accord, ok. Ça se matérialise comme ça, incroyable. Incroyable. Bah go, hein. Est-ce que ça va être une... bénédiction? Je ne sais pas. Pourquoi je... Fais offrande au sanctuaire du cristal. Ah, mais d'accord, ok. Oui, bah... bah oui, bah voilà. C'est bon. C'est bon. C'était rapide. Nice, on va pouvoir accéder au sanctuaire. Du coup, ça va être une bénédiction qu'on va avoir. Je suppose. Aïe. Ah, trop bien. Eh, franchement, Ebra, c'est trop bien. Ah, et du coup, ça se matérialise comme ça. Waouh. Je sais pas si... Waouh, c'est beau. Et voilà, on peut entrer à l'intérieur. Est-ce que ça va être une bénédiction ou pas? Ça, je suis curieux. À mon avis, oui. Même si c'est pas forcément tout le temps le cas. Ouais, c'est une bénédiction, ok. Eh ben, ma foi, très bien. Un petit topaz brut. On ne dit pas non. Eh ben ma foi, parfait. Parfaitement parfait. On en a combien de lueurs? On est à 3, ok. Je vais améliorer mon endurance un prochain sanctuaire. Ce serait bien qu'on finisse sur un sanctuaire après. On va bien voir. On va bien voir, écoutez. Attendez, je regarde des trucs là. Hop. C'est bon. Il y avait que ça du coup? Je pense qu'il y avait que ça. Bah écoutez, c'est très bien. Ah, attendez, est-ce que... Non, je peux pas amalgamer ça, ok. Bah go faire ceci, hein. Hop, infiltration. Je me demande où on va atterrir. Et on atterrit ici. Pas aussi loin de la... du chalet au final. Nice, très bien. En tout cas, très bien. Ok. Bah, on va essayer d'aller... Ah, il y a une... La tour, elle est tout près, hein. Elle est vraiment tout près. Il y a encore des sanctuaires à explorer, hein. Là, il y a une grotte aussi. Et le géoglyphe... Putain, je sais pas où il est. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va retourner au fort de Guet. Peut-être que Prua, elle va pouvoir nous faire quelque chose avec la tablette pour pouvoir enregistrer... Les dessins, peut-être, je sais pas. Je voulais le faire depuis 3-4 heures, mais j'ai pas réussi. Du coup, bah pour YouTube, on le fait bien plus tard, quoi. 3-4 épisodes plus tard. Et on va retourner très prochainement dans ces souterrains-là. Hein. Il va falloir qu'on les explore. Je pense que en live, je prendrai peut-être un live entier pour faire les souterrains. Oh, regarde. Attends, c'est qui ça là-bas?
Mais c'est un goron. Un goron rond. Il est tout rond rond, le goron. Attends. Mais Noya, il n'était pas là, d'ailleurs? Il est où, maintenant? Il a disparu. Bah, Noya. Wesh, Noya? Où êtes-vous? Il est où, le monsieur? Ah, il est là, ok. Vas-y, on va améliorer un petit peu nos compartiments, là. Bouclier. Bouclier, c'est pas mal. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que les arcs... Ah, nuit, 8 noix Kurogu. Bon. Les boucliers, on verra plus tard, du coup. On va attendre un peu. Il y a un goron ici, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Quelle affaire, un goron qui ne retrouve plus le chemin du village goron. Mais comment est-ce possible? J'ai honte. Quand j'ai quitté le village, il y avait des coulées de lave partout. Personne m'a dit que la route avait changé depuis que la montagne de la mort s'était endormie. C'est vrai qu'avant, il y avait des coulées de lave partout. C'était une vraie fournaise et aucun Ilien ne pouvait se rendre là-bas sans s'équiper d'une tenue en anti-feu. Ah, tu vas dire que maintenant on peut? J'aurais bien aimé y aller, mais c'est tout simplement impossible. Donc bon, de ce qu'on m'a dit, faut prendre en direction de la montagne de la mort qu'on aperçoit au nord-est. La route devrait nous mener jusqu'au relais de la forêt. Une fois là-bas, c'est direction plein nord. C'est plutôt simple en fait. Ouais, ça devrait aller. On peut tout à fait prendre la montagne de la mort comme point de repère. Mais à son sommet, il y a encore cette fumée rouge ressemblant à des miasmes qui sort. Ouais, je crois qu'il vaut mieux éviter de trop s'en approcher. Très bien, alors en route. On pourra même faire escale pour manger dans cette auberge dont tu m'as tant parlé. Ouais, avec plaisir. Ok. Foscor. L'homme me semble inouï qu'un goron oublie le chemin qui mène au village goron. Ouais, ok. Recommandé d'aller voir Tramou dans l'abri de survie. Oh, je vous indiquerai sur la carte où vous devez vous rendre. Il y a un problème? Je suis sûr que vous le savez, une ruine sono est tombée dans les tentes du fort de Gué. Oh? Heureusement, personne n'a été blessé. Apparemment, il s'agit d'un vestige d'une grande rareté sur lequel seraient gravées des inscriptions en irulien ancien. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Un membre du groupe d'archéologie Sono a même été dépêché sur place pour l'étudier de plus près. Oui, oui. Je ne crois pas que vos services soient requis, mais vous aimeriez peut-être y jeter un coup d'œil. Quoi, ce fort? Ouais, ok. D'archéologie Sono. Et je veux m'équiper. Lit et récipient, vêtements, ingrédients. Ok, bon. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés ici? Lamboko, épée soldat, ouais, bon. Incroyable. Oh! Gérine! Et toi, j'ai fait mes adieux, tu sais, mais il y a tellement de poussière ici que je passe mes journées à nettoyer. D'ailleurs, c'est en passant le balai un peu énergiquement que j'ai donné un coup sur le mur et que je l'ai cassé. Et depuis, j'entends parfois une voix effrayante venir de ce trou là comme un démon qui gronde. Apparemment, les autres ne l'entendent pas, mais moi aussi, je ne suis pas folle. Je suis sûr que j'ai réveillé un démon parce que j'ai brisé un mur et maintenant il veut s'emparer de mon âme. Race Nad. Ma famille adorée, mon heure est venue, adieu. La voix du démon. Oh! Waouh! Waouh! Passage secret royal! Mais ce jeu, il n'arrête pas en termes de surprise. Où on va là? Mais où on va? Ah!
Je me souviens de ça. On peut échanger des cœurs contre de l'endurance. Est-ce que c'est ça? C'est pas souvent qu'on vient prier ici. Tu peux parler? Tu m'arrives à m'entendre. Oui, c'est inattendu. Tu veux prier pour quoi? Vivre le plus longtemps possible, devenir riche, un classique celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue, bonne porte. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence de statue. Aïe, aïe, aïe. Cela fait bien longtemps et depuis, je suis condamné à regarder le temps passer sans pouvoir bouger. Au début, je m'en sortais encore pas mal. J'étais la statue du diable qui trônait dans la rue la plus animée du village. Ah ! Mais la déesse Ilia a pas trop apprécié. On m'a exilé sur une route secondaire, puis dans une vague ruelle. J'ai fini en bordure du village recouvert de fientes d'oiseaux. On m'a installé dans la tête en bas au plafond d'une grotte. Aïe, aïe, aïe. Dernièrement, on m'a même exploité au fond d'une mare au milieu des poissons. Et quand on m'a sorti de là, je me suis retrouvé ici. T'as déjà vu pire endroit? On pourrait croire qu'après un traitement pareil, j'aurais fini par piger la leçon de la déesse et regretter mes actes passés. Que dalle, j'ai pris mon mal en patience, attendant juste que mon heure vienne. J'attendais le moment où quelqu'un doté d'un minimum de cerveau m'entendrait. Quelqu'un comme toi, quoi. Ah, ça fait du bien de pouvoir enfin vider son sac. C'est pas tricosant, les poissons. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire le pro. Ah! Il m'a enlevé un cœur. Hé hé hé, je m'épate moi-même, vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Eh bah... Prends-le-moi. Tu croyais que j'allais t'arnaquer, c'est ça? Ça serait vraiment pas dans mon intérêt. Mon intérêt, pardon. Tu veux quoi? Eh bah... Endurance. Vas-y, on va échanger contre un peu d'endurance. Donc ça sera ici, du coup. Pour échanger les cœurs et endurance. Très très bien. Tu as l'air sceptique, il y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, on devra allonger l'oseille. D'abord, je t'achète un réceptacle pour 100 rubis, n'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, si tu veux le récupérer, tu me files 120 rubis. Ah oui, ok. Je te laisserai choisir ce que tu veux. Ouais, ok. Bien.